Je vous dis, nous avons le privilège pour nous capables d'accueillir un entrepreneur, PDG, OneClick, Frédéric Pierre. Je vous dis, nous allons parler de business, nous allons parler d'économie, de réflexion, nous allons vous dire. Avant de nous parler de business, avant de nous parler d'économie, nous allons parler de Samba Kessy, de Black Easy, dans l'espace de 4 jours que la musique haïtienne a perdu. De Guatisayo. Nous sommes avec nous, Frédéric Pierre, depuis Haïti. Frédéric Pierre, bonsoir, comment vous êtes? Bonsoir Ulrich Nelson, bonsoir à toutes les internautes, à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs qui regardent nous sur HG News Network. C'est un plaisir pour moi avec nous aujourd'hui pour nous brasser l'idée sur la situation économique pays et particulièrement sur le sujet qui fait l'actualité. Justement, Frédéric, dans l'espace de 4 jours, la musique haïtienne a perdu 2 gratis. Comment nouvelle ça arrive dans nos oreilles? Bon, moi particulièrement, c'était un choc parce que et les deux artistes, que ce soit Black Easy, que ce soit Samba Kessy, j'ai l'habitude de travailler avec eux. Et à l'époque que j'étais directeur de communication pour FAES, et j'ai eu l'opportunité de travailler avec Black Easy pour Carnaval 2012. Et Samba Kessy, c'était un monde qui était préparé plusieurs spots publicitaires pour des programmes sociaux que nous avons implémentés au niveau de FAES. Donc, et particulièrement moi-même, personnellement, moi, touché par perte de artistes. Et c'est aussi une grande perte pour la communauté musicale haïtienne qui a perdu dans l'espace d'une semaine un grand animateur et aussi une icône de la figure racine de musique haïtienne, en l'occurrence Samba Kessy. C'est dommage que. C'est des raisons de santé pour les deux cas. Donc, parce que c'est une nouvelle opportunité pour l'État mettre en phase sous offre de santé qui a fait dans le pays d'Haïti et aussi entrepreneurs réfléchis selon l'autre niveau, l'autre standard d'investissement dans le système médical haïtien. Justement, Frédéric, nous connaissons un jeune entrepreneur ou c'est PDG OneClick. Parlez-nous un peu de OneClick. Qui service OneClick bail? Qui ça OneClick? Bon, OneClick Industries et ma première CIE à HG News Network pour l'opportunité ça pour nous capables de parler avec les millions d'Haïtiens qui vivent dans la diaspora, particulièrement ceux qui vivent dans la région de Floride. Et m'a fait rapide pour nous dire que OneClick Industries, nous sommes une compagnie de technologie. Nous offrons des services et des produits technologiques commerciaux. Et des produits qui sont adaptés à des commerces sur mesure. Mais, et puis, bel effet, c'est que OneClick Industries créé pour la première fois en Haïti, première application mobile commerciale que Haïti connaît, qui est le OneClick to Buy. Donc, application mobile, ça, les permet justement aux gens qui téléchargent l'application sur téléphone ou bien sur device mobile, capable de faire des achats mobiles, capable de payer des services et des factures à partir de l'application. Est-ce que nous avons une connexion avec l'autre entreprise, l'autre qui permet de nous capables de joindre service pour nous capables offrir clientèle là? Définitivement, définitivement, OneClick gagne pratiquement une année de commercialisation. Notez l'ouvrir pour nous le 15 septembre 2015 officiellement et 15 septembre 2016 se fait un an de commercialisation. Pour un an de commercialisation, nous sommes capables de dire que nous gagnons déjà 5 471 téléchargements, c'est-à-dire que les gens qui téléchargent l'application sur téléphone. Nous gagnons 288 utilisateurs, ça veut dire les gens qui régulièrement achetaient ou bien payaient un service sur OneClick. Et nous gagnons 26 commerces affiliés. Ça veut dire 26 magasins, 26 magasins, restaurants, boutiques, shops qui affilié sur OneClick, sans oublier les trois opérateurs de Internet mobile et de câble. Donc, moun yo capable de payer câble New TV, câble Canal Sat à partir de OneClick, yo capable de payer Internet Aïnet ou bien Net Access à partir de OneClick. Donc, nous avons grandi, c'est un challenge, en même temps, son opportunité pour nous capables offrir pour la première fois à peuple haïtien ou bien à haïtien dans la diaspora l'opportunité de payer service et de acheter sans avoir besoin de déplacer
pendant que je suis à la caillou, ou bien dans la machine, ou bien dans le bureau, ou bien dans la chambre, vous êtes capable de faire des achats, vous êtes capable de commander manger, vous êtes capable de payer des services. Et Frédéric, dis-nous, comment peuple haïtien lui-même lui recevoir un clic? Qui est fait que un clic fait sous yo après un an de service? Mon cher, je suis capable de dire que la population réagit très bien par rapport à service que nous offrons, par rapport à nouveaux produits. Ça. Et nous sommes capables, par exemple, à travers les réseaux sociaux, nous avons là maintenant 12 641 followers sur les réseaux sociaux, nous, soit Facebook, soit Twitter, soit Instagram. Et nous avons, j'aime dire, là, 288 clients réguliers, c'est-à-dire que c'est des gens qui achetait plein qui à travers un clic, qui paye service, qui paye l'école et qui fait shopping. Donc, et nous sommes capables de dire que c'est un début, c'est un défi aussi. Donc, et pas oublier que la communauté n'a pas trop habitué avec le commerce mobile, donc pas une grande habitude de cette pratique d'achat. Donc là, nous avons un travail de promotion, nous avons un travail d'éducation, nous avons un travail de visibilité que nous avons fait pour nous capables de grandir. Chiffre là et fait que OneClick était le leader sur le marché du commerce mobile en Haïti. Donc, réaction est assez intéressante. Nous recevons des commentaires régulièrement. Chaque jour, client relève nous, potentiel client relève nous pour mieux comprendre le service là, pour mieux appréhender le service là. Mais ça fait nous bien, c'est que et pendant une année, nous avons gagné 5 472 téléchargements. Ça veut dire grand, ça veut dire beaucoup. Et nous remercier déjà le public là qui fait confiance à OneClick Industry et nous l'ouvrir notre temps et progrès au fur et à mesure jusqu'à ce que nous gagnions, pourquoi pas, les 7,6 millions de personnes qui possèdent un téléphone en Haïti. Parmi eux, qu'on appelle ben, nos chiffres, 15% qui gagnent un téléphone et intelligent. Donc, nous sommes capables de dire que nous avons une communauté de 1,6 million de smartphones. Donc, c'est objectif, nous, c'est target, nous, pour que chaque monde qui possède un smartphone en Haïti, capable de un clic télécharger sous lui et capable de faire utilisation de l'application ça pour rendre la vie plus facile. Pendant que nous avons parlé, je vous dis à Frédéric, de l'économie, il faut parler de politique tout. Quelles conséquences que Jean politique là, et je vous dis à notre pays d'Haïti, Jean Bagay va dérouler là, ça a gagné sous fiche d'affaires ou un clic? Bon, effectivement, la situation économique là, a frappé tout le monde et tout businessman, tout entrepreneur souffrit de challenge économique. Ça n'a pas oublié qu'un pile monde est décidé de ralentir sur l'investissement par rapport à ce que, par contre, qui ça, et résultat élection par le bail, par contre, qui ça, tendance dans la rue, donc un pile ralentissement ou bien affaiblissement dans le commerce. Donc, forme que ça a affecté nous-mêmes tout parce que et nous gagnons des investissements potables que nous supposons faire, que ce soit dans matériel roulant, parce que, pas oublier que OneClick offre un service de livraison 24 heures sur 24. Donc, nous sommes obligés de ralentir sous mettre véhicules nous dehors dans la rue. Parce que s'il y a une manifestation, s'il y a crasé vite machine, malheureusement, nous pas qu'à lancer. Et deux, trois fourgonnettes que nous avons assurées livraison, nous sommes obligés de pas qu'à mettre tout dehors. Donc, ça a un problème et à tous les niveaux. Maintenant, que ce soit la structure de crédit ou que ce soit la structure de monde qui a fait affaire avec nous, ils ont été très précautionneux dans le sens que, puisque nous offrons service à distance et nous offrons service de livraison, donc, les fournisseurs qui travaillent avec nous, ils sont un petit peu inquiets. Par rapport à ça, ça baille après 6 h de l'après-midi, après 5 h de l'après-midi dans la rue Port-au-Prince. Donc, à ce niveau, oui, il est affecté nous parce que les logisticiens qui travaillent pour nous, les livreurs qui travaillent pour nous, viennent nous en chapin, si nous avons utilisé le terme ça. Donc, nous, à attendre que bon nouveau gouvernement élu légitime qui monte en place, bon meilleur environnement des affaires qui mettait sur pied, et nous, bon ministère du Commerce qui est plus interactif. Et que le secteur économique plus ouvert. Donc, nous attendons véritablement que la structure est légitime qui mettait en place pour que nous gardions un meilleur environnement commercial pour nous offrir plus à la communauté haïtienne. Pendant que Wapton, le nouveau gouvernement installé, mais quel nouveau service que nous comptons bah, population et pour nous là tout et qui ça nous compte faire?
Et justement, bon, merci Olrich pour l'ouverture ça. N'a tout profité d'utiliser Channel Wa pour nous inviter toute diaspora yo, et utiliser OneClick pour voyer cadeau en Haïti. Nous avons une nouvelle promotion qui est les étrennes OneClick. Côté que Koto Chita la Florida, ou capable de monter sur l'application, ou choisir jouets, téléphone, télévision, blender et matériel électroménager sous un clic ou payer sous application et nous livrer directement à l'adresse famille aux amis qui en Haïti. Donc, c'est une nouvelle promotion que nous implémenté qui est disponible à partir du 15 décembre. Donc, tout le monde est capable de voir cadeau Noël sous un clic sans que sauter. Je dis à la grande pile, mon cap fait boîte, cap fait boum pour vous en Haïti, mon garantie boum, ça va arriver jusqu'en mars, jusqu'en avril. Alors que si vous utilisez OneClick, dans 2 minutes, vous finissez faire commando, et bien, vous avez 30 minutes en Haïti, là, vous allez recevoir cadeau que vous voulez pour vous. Dans un bon spécial, et du 24 au 31 décembre, côté que vous avez 5% de rabais sur tout prix qui soit application dans spécial Zetren OneClick. Donc, Merci. je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la diaspora et vous êtes capable d'utiliser OneClick n'importe côté. Aux États-Unis, au Canada, en France, n'importe côté où il est, c'est télécharger l'application One Click to Buy sur Google Play ou bien sur Apple Store. Justement, c'est ça que d'abord dit au Frédéric, si un client ou bien un monde qui est en France, qui est aux États-Unis, qui est Belgique, qui est Canada, qui à travers le monde, quand tu as aimé rentrer en contact avec OneClick, qui ça doit faire? Seulement monter sur Google Play ou bien sur Apple Store. Écrit One Click to Buy, ONECLICK2, le chiffre 2, BUY, One Click to Buy, et puis on voit plus belle icône bleue paraître devant là, c'est l'icône application One Click là. Téléchargez, faites commande de n'importe quoi où sur la terre, livraison à Port-au-Prince en Haïti, c'est dans 30 minutes. Frédéric Pierre, nous bien contents de te recevoir. Nous bien contents d'être avec nous sur AG News Network depuis Haïti. Second dernier mot, on vit dit par rapport avec les services que OneClick a offert à la population. On l'autre fois encore m'a remercié AG News Network pour l'opportunité ça et m'a utilisé Channel nous pour m'inviter tout Haïtien qui est dans la diaspora, tout Haïtien à travers le monde pour y télécharger One Click to Buy sur téléphone mobile, sur device, sur tablette, pour y être capable rester plus connecté avec famille, aux amis, aux parents qui en Haïti. À travers One Click to Buy, vous êtes capable de payer l'école en Haïti, ou capable acheter service en Haïti, ou capable payer service en Haïti de n'importe côté à travers le monde. Et particulièrement pour le mois de décembre, nous gagnons Zetren One Click, côté où vous pouvez acheter téléphone, télévision, computer, jouet pour famille, pour amis, pour monde qui en Haïti. Donc, ce Noël, c'est un moment d'opportunité de paix, de réconciliation. M'inviter tout le monde pour rester connecté avec Haïti, rester connecté avec Zamio, rester connecté avec Famio et surtout rester connecté avec OneClick. Nous souhaitons que l'année 2017 là, sera une meilleure année, avec plus de stabilité, avec une situation de commerce normale, pour que tout le monde soit capable de reprendre l'activité et que Haïti souffle un nouveau vent. Donc, moi, utiliser l'opportunité à tout pour me souhaiter les meilleurs voeux à AG News Network et m'espérer qu'avant la fin de l'année, on a des opportunités pour nous contacter. Donc, c'est un plaisir pour me être capable avec nous aujourd'hui et c'est un plaisir toujours pour m'informer nous de situation économique et situation technologique en Haïti. C'était avec nous, PDG OneClick, Frédéric Pierre, depuis Port-au-Prince, Haïti. Nous bien contents du fait qu'on t'a suivi l'émission ça, je vous dis. Vous êtes branché à AG News Network. À n'importe quel moment, nous sommes capables de porter une rubrique ça pour la CAM. OneClick, c'est la première application mobile pour acheter en Haïti. Avec un clic sur téléphone, vous êtes capable de régler facture, payer l'école petit tout, commander manger dans un restaurant ou bien acheter dans un magasin. Pour plus d'informations, relayez-nous dans 425 25 425 ou soit visitez-nous dans www.oneclick.ht.
pral résoudre problème. Pour l'entretien de la maison, plus de soucis. Messier Poivre se charge de la collecte des résidus, du balayage, du nettoyage du parquet, de la cour, de la piscine et même de votre chien. Messier Poivre, c'est un travail en profondeur pour pas cher. Nettoyage résidentiel ou commercial, Messier Poivre, une solution claire et nette. Monsieur Poivre, la clean tout temps. Pour information, 47 31 08 08 40 48 99.